Franchement, il n'y a pas à se réveiller aussitôt. T'as baillé aussi ou pas? T'as baillé ou pas? Hi guys! What's up? Je te jure, je vais arriver à ouvrir les yeux. Pour les nouveaux, ceux qui viennent de tomber sur cette vidéo comme ça, moi c'est Camille de Mima by Camille. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Je mets juste cela si tu veux. Si tu veux pas, il n'y a pas de souci. J'ai un rendez-vous pro dans moins d'une heure. J'ai eu envie de bien me préparer, mais en même temps, je me suis dit, vas-y, je vais en profiter pour filmer tout le process. Je vais prendre une petite douche vite fait, mais je vais pas me laver les cheveux, because you know, on essaie de se laver les cheveux juste une fois par semaine. J'arrive tout de suite. Attends-moi, j'arrive. Tu vois, là, ça va beaucoup mieux. Te fous pas de ma gueule si tu vois le truc sur ma tête, c'est pour protéger mes boucles. Si t'as les cheveux bouclés et t'as pas un bonnet en soie. Est-ce que t'as vraiment les cheveux bouclés? J'ai préparé mon visage, je l'ai lavé. J'ai utilisé ce gel nettoyant de chez Typology. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous m'avez déjà vu l'utiliser. Franchement, il est grave cool, hyper light. Il est à base d'aloe vera au pH 5%. J'enlève le bonnet ou je garde le bonnet? Est-ce que ça te dérange? Attends, j'ai gardé le bonnet le temps de faire ma petite séance dermaplaning. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on enlève tout le poil des visages. Par contre, je tiens à préciser que si t'as jamais fait ça toute seule ou tout seul, ne fais pas ça. Par chez une pro. Si t'as des boutons, évite. Alors, je vais te montrer un peu comment moi je le fais. Faut juste vraiment mettre de l'huile à plein visage. Franchement, s'il y a un crush qui tombe sur cette vidéo, de moi qui ressemble à ça. Tu vois un peu? En fait, ce qui est cool, c'est que ça va permettre après au produit que tu vas utiliser de vraiment pénétrer dans ton visage. Parce que tu as enlevé la petite couche de poils. Les petits rasoirs, je les prends de chez Emmaüs. Là, je vais partir me laver le visage. Je reviens tout de suite. Franchement, là, comment je sens le gel avant sur mon visage, c'est une sensation. Hey, sexy lady, I like your flow. Oh fuck, j'ai la tête qui tourne. Comment ils font dans les films? Tune, 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 de la vitamine C pour mon petit visage. Oublie pas si tu utilises la vitamine C, oublie pas de mettre de l'écran solaire. Et en vrai, quand tu utilises la vitamine C, bah celle-là de chez Typology par exemple, t'as besoin que de 2-3 gouttes, genre matin et soir. Et en fait, ce que ça va venir faire, ça va vraiment donner un éclat à ton visage. C'est suffisant. Regarde comment ça va s'étaler. Tac, 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 tac. Passe à la caféine. Et je parle pas de café, j'ai même pas encore bu mon café. Ma petite caféine pour les... Comment on appelle ça? Les cernes, les poches. Bref, t'as compris. Caféine, 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 caféine. C'est de la caféine 5% et pas seulement, mais il y a aussi niacinamide. J'ai toujours du mal à prononcer ça. Niacinamide. Voilà. En fait, ce qui est cool, c'est ce genre de produit, c'est gender neutral. C'est-à-dire, il n'y a pas de. C'est pas un genre un packaging rose et tout. Tu vas te dire, je peux pas l'utiliser, je peux pas le poser. Parce qu'on connaît les mecs. Même si vous faites non, j'ai pas de soucis, si le produit est bien, je le prends quand même, je le pose. Chérie, je t'arrête là. Si le produit est rose, tu ne voudras pas le mettre dans ta salle de bain. Tu le sais, je le sais. Mais là, du coup, par contre, franchement, c'est hyper minimaliste. Ensuite, on passe à la crème hydratante. Et franchement, ça a été mon coup de cœur. C'est une crème hydratante aux 9 ingrédients. T'as les ingrédients ici. En vrai, tous les produits, il n'y a aucun produit qui dépasse les 10 ingrédients. Là, je te parle et je suis déjà en train de réfléchir ce que j'ai porté. Genre, je sais que c'est un rendez-vous pro, mais j'ai quand même envie d'être cutie. Tu vois? La meuf qui est en train de mettre de la crème solaire en plein soleil. Ça me fait toujours peur quand j'ai une crème solaire avec une couleur blanche comme ça. Je me suis dit, putain, ça va pas bien fondre et tout. Mais franchement, attends, tu vois, ça donne un petit glow. Trop de soleil. Ok les gars, il me reste pas 30 minutes. Et il faut juste que je me maquille, je m'habille. Fond de teint, toujours de chez Typology. J'ai sorti vraiment la trousse Typology. Yes. Je crois que c'est suffisant. Est-ce que ça va être suffisant ou pas pour tout mon visage? Ok. C'est vraiment ma couleur. Eh, il y a du sérum dedans ou pas? J'ai l'impression qu'il y a du sérum. Sérum teinté. Ah, en fait, c'est un sérum teinté. Type 3 médium, by the way. Est-ce qu'on met un peu d'anti-cerne? Je crois que je vais prendre le même numéro. By the way, ils n'ont pas de point de vente. C'est tout est en ligne. Est-ce que c'est pas trop... Ah non. Et je suis choquée. Je suis partie au feeling. Genre, j'ai mis numéro 3 au feeling parce que je me suis dit fond de teint 3.
Mais c'est tellement smooth. Enrichi en caféine, en niacinamide et hydrolate de bleuet. Et je suis agréablement surprise. En fait, c'est très très light. Mais ça couvre. Mon petit blush, j'utilise celui de chez Charlotte Tilbury. Et là aussi. Et là. Et là. J'en mets pas sur tout le visage, je te jure. Mais c'est juste pour que ça soit homogène. Gel brow de chez Anastasia. Mettre juste un petit trait d'eyeliner, mais marron. Dernière touche, les lèvres. J'ai utilisé l'huile à lèvres de chez Typologie encore. Et ça, c'est numéro 4002. Ok. Attends, je vais rajouter une petite autre huile. J'ai l'effet un peu dégradé, ça. Et ça, c'est numéro 4001. The face is done. Vas-y. J'ai mon sac. Je te tourne. C'est ça. Rangé, détaché. Rangé, détaché. Détaché. Regarde-moi ce petit glow. Je crois que c'est le sérum teinté qui fait cet effet. Tu vois, j'ai même pas mis d'highlighter. Hein. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Clairement, je suis très en retard, mais je voulais quand même te dire merci. Ah, attends, regarde-moi ça. Camille, t'es en retard. Bref, bisous, merci, à la semaine prochaine. Bye guys! C'est bon, je suis partie, voilà, je suis partie.